Bonjour à toutes et à tous, je suis Russ et enfin, après sans doute presque 6 mois d'attente, de frustration et d'autres péripéties IRL, on y est, l'épisode 200 de Neverwinter Nights sur Lords of the Underdark pour une quête complète. Alors cette fois-ci, parce que je vais résumer un peu ce qui s'est passé pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, l'épisode aurait dû sortir il y a environ 4 mois, parce que j'ai déjà commencé à enregistrer une session, sauf que la session s'est extrêmement mal passée, je me suis retrouvé bloqué, j'ai eu énormément de difficultés, et donc j'ai aussi eu le travail à côté, plusieurs autres projets de vidéos en cours, etc. Et j'ai reporté jusqu'à maintenant où je me suis enfin décidé à y aller. Et cette fois, je vais utiliser une Solus qui se trouve juste à côté de moi. Enfin, pas exceptionnellement, mais bon. C'est juste pour me donner à peu près ce que je dois faire. Et dans la dernière session, donc d'il y a à peu près 5 mois, Zarvakmur n'était pas une des zones à aller en premier. Il était conseillé d'aller sur les îles. Il était recommandé de commencer les îles afin d'avoir les items nécessaires pour les autres environnements. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors oui, j'y vais pas toucher la sauvegarde, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a eu aussi un petit événement que je n'ai pas pu contrôler. Mais bon. Et j'ai fait un peu de réorganisation, je me suis rematé ma dernière session. Je suis prêt, donc pendant cet épisode, c'est toute une quête de A à Z qui va être faite. Comme pour l'épisode 100. Voilà. Donc, pour le rappel, nous sommes actuellement, alors non pas avec le faucheur, mais avec notre cher Medikin. Donc le faucheur, cet endroit qui nous permet de nous téléporter via des pierres des pierres solitaires. Je contrôle toujours mon personnage, j'ai fait un peu de rangement, je suis un tout petit peu blessé, donc on va se reposer vite fait. Nous allons partir donc sur une île pour commencer, donc qui sera l'île de cet épisode, qui sera donc à Shaori Fail. Et à Shaori Fail, il y a, je pense, c'est la ville insulaire, si je ne me trompe pas. Voilà, l'île du Feather, c'était, ça a l'air extrêmement compliqué, mais nous allons donc sur l'île insulaire de Shaori Fail. Mais d'abord, parce qu'il y a toujours un mais d'abord, avant de commencer ça, est-ce que c'est la bonne porte? Non, Zarvakmur, c'est fait. Zarvakmur, c'était là où j'étais parti. C'était pas la bonne pierre. Faut que je me souvienne des emplacements aussi. C'est pas cet endroit. Si, c'est cet endroit. Donc on va se retrouver au cœur de la ville de l'île Maillard. Première chose que nous allons faire, nous allons remonter ici, donc sur les docks. J'espère que tout se passera bien pour cette session. J'ai le plan avec moi, j'ai les zones. Tout va bien se passer, du moins je l'espère. Je l'espère vraiment. Alors, qui dois-je aller voir déjà? Ces étranges elfes. Carval, c'est bien, c'est lui. Ben, c'est parfait, mon grand. Je dois traverser la rivière. Je dois l'étrange cité, donc l'étrange cité qu'on apprendra qui s'appelle Shaori Fail. Ok, alors ça c'était pas prévu. Donc je découvre en même temps. Voilà, nous sommes donc sur les docks de Shaori Fail. Alors, je pense que on peut repartir. On peut lui dire aussi de crever, mais on n'est pas là. On n'est pas encore là. Donc, Dikin est là. Dikin est avec nous. Toujours avec des armes, des armures incroyables. Ça, c'est pour je ne sais plus quoi.
Ma ceinture, c'est une agilité. Et donc on y va, on y croit. Je vérifie juste que... Ok, donc il ne faut pas que j'ai touché cette sauvegarde. On ne va pas y toucher, je sais exactement pourquoi j'ai mis ça. Je sais exactement pourquoi j'ai mis ça. Donc du coup, sauvegarde rapide, c'est... J'ai, parfait, si je vérifie, c'est juste pour vérifier. Parfait, exactement ce que je voulais. Et donc, allons-y. Le fun est présent, tout va bien aller. Oui, alors... alors... Non, avance-toi. Alors là déjà j'ai quoi? J'ai un temple. J'ai des empreintes de pas. D'accord. Les mecs. Votre piège, je l'ai vu. Bon. Il y a donc un combat. Alors, oui. Oui, ça c'est un petit problème que j'ai. Alors, s'blé. Allez, plus d'action, parfait. Alors, pas mal de guerriers draw. Je me suis fait infecter. Je me suis fait infecter, tout va bien. Je me fais défoncer, c'est ma joie de vivre. Par contre, dis-tu si tu pouvais venir. Parfait. Alors, il y a combien de guerriers draw? Ouais, il y en a quand même 1, 2, 3, il y en a quand même encore 4. Ainsi qu'un roublard draw. Ah, il y en a encore 5. Ok. Ouais, par contre, Dikin, voilà, Dikin, au secours, Dikin, bouge ton cul, Dikin. Merci Dikin, putain, y'a un magicien, je vais défoncer ta gueule. Alors par contre, parce que j'avais pas prévu le coup, lol. Voilà. Potion, boîte à potion, merci. Boîte à potion. Oh, je suis mort. Très bien, c'est normal, mais cette session commence super bien. Si je me fais défoncer, le Dikin me fout la merde. J'adore ma vie. Tout va bien se passer. Je vous l'assure. À la nuit, je les prends un par un. Allez, venez. Voilà. J'aime l'odeur du sang. Toi, continue de te battre contre le mur. Parfait, ça c'est bon. On en attire le plus possible. Voilà, et là, on se casse. Se cache juste là. Voilà. Ça mais c'est parfait. J'aime l'odeur du sang elf. Oui. Exactement, bien joué Dikin. C'est la merde. Il se passe des choses, j'ai la flamme de sauvegarder. Il y a des invocations, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Par contre, personnage. Voilà. Et on revient. Hop là, on revient. On se fait. Il faut que je bouge beaucoup là. Allez. Je viens de mourir parce que l'infection est une pute. Il va s'en passer des morts. J'espère que vous êtes prêts.
Il y en a avoir des morts, hein, je vous le dis. Mais il y a toute une garnison, mais vous êtes sérieux? Il y a toute une garnison, j'en ai vu au moins 10. Allez. Parfait, oui, tout doucement. Likin, je sais pas ce que tu fais, mais tu ne le fais pas. Ah, mais ils ont des potions, d'accord, très bien. Paf, on se plaît. Paf, on se met en scred ici, on sauvegarde. Récupère quelques petits loot. Parfait. On essaye d'en ramener encore quelques-uns en disant hey, oh, je suis là, bonjour. Là, mon but c'est ça, c'est de ramener un maximum. Je me prends un 32, c'est moi. Ah, ça balle. Tiens, c'est simple, non propre. Ah, non propre. Ok, pas le bon plan. Pas le bon plan, pas le bon plan. On va faire autrement. En même temps, si Dikin il fait n'importe quoi. Non, attendez, parce que. Non, c'est bon. Merde. Likin, ramène-toi. Mais... Ça se passe mieux. Ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est à vendre. Likin, tu me fais chier. Oublie. Bon, je pense que j'en ai déjà tué pas mal. Mais il en restait, ouais, quelques-uns. Viens, viens, toi, 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 toi. Viens. Parfait. Faut juste trouver la bonne RNG quelque part. Ah bah tiens. Hop, 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 hop. Eh, elle fait mal, dis donc. Eh, tu fais mal. Et toi, tu fais mal. 60. Oui. Voilà, son chien. Voilà. Non, je ne suis pas misérable, madame, calmez-vous. Ah, attends, j'ai guérison rapide. Je sais qu'il y en a une qui ne marche pas, parce que j'ai confondu les deux à chaque fois. Kin, c'est quand tu veux, hein, pour attaquer. Ah, voilà.
Guérison suprême, ouais. Oui, oui. Hop, hop, hop. Mais... Oh, merde, fais un truc. Oui. Ah, elle est blessée, ça change de stade. Allez, on y croit. Hop. Allez. Allez, il faut commencer à mourir. Ah bah oui. Allez. Non mais... Oui. Oui, madame. Je vous... Elle a arrêté le temps. Elle a arrêté le temps. Et bah voilà. Bon, bah résultat. Bon. Bah c'est au bout d'un bon quart d'heure qu'on avance. Non mais... Moi je vous le dis, ça va être comme ça. Je pense que vous connaissez le jeu. L'extension est devenue de plus en plus compliquée, normalement, notamment avec Zorvakmur. Moi je suis prêt à voir ça. Moi je suis prêt. Après vous, ça risque d'être pas très très intéressant à regarder et je m'en excuse. Mais c'est comme ça. C'est l'épisode 200, écoutez, que voulez-vous? Ouais, alors par contre, on va mettre ça dans des sacs prévus à cet effet. Voilà. On fouille un petit peu le camp. Oh, un coffre d'eau. Est-il piégé? Oh, antidote. Restauration partielle, intensif, ça je prends. Un sort, une opale, un truc, un machin. Des sorts. Tac, 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 ici, il n'y a plus rien. Oui, alors. Ça par contre, ça va être énervant aussi. Les petits blocages. Ska, Naro et machin. Oui, oh, des alphélés. Donc c'est dans le champ de tête, bienvenue à Shore Effect, je suis Ska, mais c'est Nero malgré la formule politesse, mais aucune chaleur, d'accord. Alors vous êtes le bienvenu, c'est étrange, je suis sûr que des ennuis, vous voulez parler des drôles. Les drôles ne seront pas la cause de vos ennuis, du moins pas dire que reste un poisson, moi. Oh oui. Êtes-vous prisonnier? Parlez-moi de ces drôles. Ouais. Au plus, je trouve notre reine. La reine. Ah, Shaori lui retrouve au château, mais elle n'a plus rien enlevé. C'est dans les cavernes. Il veut l'est d'ici au trouver en passant devant la bibliothèque. Pourquoi? J'ignore peut-être les drilliers. Hein. Reste ici, les drôles. Faut que j'y aille. Cassos les mecs. Bien. Alors, ensuite. Alors. Très bien, très bien, très bien. Donc, je regarde un petit peu ma Solus. Alors, on a une caverne, on a un temple ici, on a un marchand. Un marchand, par contre, ça, tu vois, ça m'intéresse. Que je lui redonne un petit peu tout et n'importe quoi dans mon... Chef ? Oui, Dikin. Vas-y. Ouais. D'accord, Dikin. Je voudrais... Est-ce qu'il y a un marchand? Marchand. Ah. Quel plaisir. Votre inventaire. T'as quel marchand? Non. Montre-moi ce que t'as à vendre plutôt. D'accord. Morceau de miroir. Hein. Donnez-moi cette miroir, merde. Succès. Ah, voilà.
Alors, attends. Très bien, alors je regarde mon journal de quête par contre. Alors, des avariels au pied au prétopus de preuve à oui, ça la reine, d'accord. Et le marchand. Le marchand vous a donné une boussole magique pour vous mener droit à son morceau, mais la boussole clignotera quand elle sera activée. Plus vous approchez de l'éclat, plus elle clignotera grâce à la boussole. En effort lentement la ville, vous devrez pouvoir trouver. Ah, d'accord. Un morceau de miroir. Et en fait, ce morceau de miroir, exactement. Tac. Alors. Oui. Alors, je regarde quand même ma sonus un peu parce que on va pas y aller quand même par quatre chemins. Voilà. Alors. Bon déjà j'ai grillé des étapes, je tiens à vous le dire. Parce que je pouvais échanger. Il y avait. C'était pas obligé de donner une pièce. Ou d'utiliser le bluff pour l'intimidation. Alors. On se rapproche. Il y a quelque chose d'étrange ici. Yeah, je trouvais des détritus. Alors, éclat de miroir. Ok. Je peux donc désactiver ça. Et j'ai trouvé un éclat de miroir. La joie et le bonheur m'envahit. Très très fort. Bon, alors on a un trou ici qui est une tour de mage. Très bien. Là on a un marchand. Est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose? Non. Comment je vais aller à la caverne au-dessus? Je ne sais pas. Ah bah si, oui, évidemment. Oh, les empreintes. Et là-haut, il y a quelque chose. À part du rien. Non, il y a du rien. Parfait. Alors... Oh! Alors vite, embuscadons-nous. Embuscade. Ah, tu sais quoi, je vais me rentrer dedans. Ah merde, il y en a de plus en plus qui sortent. Il y en a beaucoup trop même qui sortent. Est-ce que c'était un bon plan? Je ne sais pas où je suis. Ah mais ça balle. Ah c'est... Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Ah, parfait, Dikin. Parfait. Allez. Allez. Parfait. Toi. Dikin vient de mourir, ce n'est pas grave. Bon là en fait c'est dit qu'il meurt, c'est pas ouf. Mais ouais j'ai pas bien compris tout le truc. Parce qu'il sort pour un groupe de 3, mais beaucoup trop vite. C'est un petit peu désappointant. Mourez, vous le méritez. Voilà, mais. Ah putain.
putain, mais Dikin, oh, merde. Dikin. Voilà, voilà, ça c'est le problème. Est-ce que vous le voyez le problème? Là c'est maintenant. Allez. Ouais. Mais merci. Voilà. Putain mais. Voilà. Allez. Plus vite. Mais. Voilà. Putain, et voilà. Et voilà. Il dit qu'il ne servait à rien. Allez Likin, refais-nous un sort. Refais-nous un sort, putain, je sais pas où je suis, un sort à la con. Enfin. Allez. Oh là là, mais. Putain. Ah, bah ça y est, c'est pas trop tôt. Oh, Dikin est mort. Non. Potion. Je vais utiliser toutes mes potions, ça y est. Ah. Allez. Dikin, c'est quand tu veux, hein. Ah, nous faire The World. Dikin, je sais pas à quoi t'as servi. Oh là là. Ah là là. Non. Bonjour, oh, toi. Vous voir. Quelqu'un est trop là. Vous tuez aussi celui-là, chef. Qui est vous? Des questions. Toujours des questions. J'ai eu suffisamment de questions quand j'étais reine. Par pitié, Shaori, dites-moi ceci. Et je vous prie, Shaori, dites-moi cela. Pourquoi croyez-vous que j'ai quitté le château? D'accord, tu es donc la reine. Je ne suis plus la reine Shaori. Je veux qu'on me laisse en paix. Mais c'est impossible, même dans cette caverne. D'abord, Sabal et Sadro viennent me déranger, et maintenant vous. D'accord. D'accord. Ah bah oui, ça va, évidemment. LOL. Ah, génial. Allez, cassos. D'abord, repos. La joie. Alors. Alors maintenant, où va-t-on aller? Je sais où on va aller. Non, mais ça va, il se passe des trucs bien ici. On va avancer. Je vous jure qu'on va avancer. Juste que, bah, les morts font partie du jeu. Et la mort fait partie du jeu, quand, de manière classique. Je trouve quelqu'un qui puisse non seulement me soigner, mais aussi m'offrir des potions. Bonjour. Quel problème avec votre femme?
D'accord. Ok. Regarde les quêtes plutôt, hein. Alors. T'as d'accord. La bibliothèque, alors. D'accord. Eh ben, allons-y. Allez, laisse-moi passer, toi. Ok. Trouver la chambre. Oh, quel bazar! Tout ça prendre une éternité à laver! Dickin espère que lui n'est pas choisi pour ce travail. Non, Dickin, tu n'es pas choisi pour ce travail. Tu es juste choisi pour m'accompagner. Alors, potion du savoir, protection de vue et un coffre qui n'a pas l'air verrouillé. Antidote, c'est nul, et la machine qui est inutile. Alors. Utiliser la potion. Non. Non, utiliser. Où est-elle? C'est vous, sans doute. Bonjour, je suis en charge des morceaux de mémoire brisés. Ah, c'est étrange, c'est une chance. Je n'aurai jamais, il ne vaut pas grand chose, mais il y a une certaine. Mais bon. Avertissement, estimation, texture. Putain, je vous propose un jeu. Oui, vas-y. Et si je perds, je la garde. Très bien. Alors, allons-y. Alors, la ténèbre fameuse de. Toujours, je brille les mines de feu. Ça m'a l'air beaucoup trop simple. C'est la réponse qu'elle attend, mec. Merci pour le morceau, madame. Je vais pas rester longtemps. Voilà, avec deux morceaux d'éclat brisé. Parce que je pense qu'il n'y a jamais de vrai... il n'y a jamais rien de vraiment utile là-dedans. Alors, donc ça me fait deux éclats de miroir. Il faut que je me souvienne de où j'ai pris ces éclats de miroir. C'est le deuxième, vu que Shaori en a eu un autre. Ah, potion, protection de vue, non, ça c'est bibliothèque. Ah, ça doit être un peu plus haut. La caverne, non, ça c'est l'attaque. Non, donc je n'ai qu'un seul morceau, très bien. Non, j'ai aussi trouvé le morceau du... Ah, comment il s'appelle, du marchand. Normalement, j'ai aussi trouvé le morceau du marchand, donc c'est bon. Donc, ok, ça c'est bon. Donc, le marchand, c'était bon. Ensuite... Ensuite, il faut que j'aille... Alors, 1, 2, 3... 4 où je suis, 5, ok, on va encore se taper un petit combat entre Sabal et moi-même. J'ai juste vérifié parce que j'ai un doute si j'ai bien chopé le morceau de ouais, je l'ai chopé, ou alors je l'ai pas pris. Ça se trouve que je l'ai pas pris parce qu'il me l'a pas compté. Juste une vérification. Non, c'est bon. Non, le marchand, c'est bon, j'ai bon. La bibliothécaire, c'est bon, la caverne de Shaori, qui est dans une des quêtes. Ok. Ok, c'est bon. Donc, on va encore se taper un combat. Je tiens à dire que je n'ai plus de potions, mais que tout cela s'annonce compliqué. Excusez-moi, monsieur. Donc, passons à la méthode, c'est simple, c'est en douceur, si possible. À moins que des empreintes. Ouais. Ah, au secours. Fuite. Moi, je fuis. Je fuis lâchement. Hein. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse contre des mecs qui sont au-dessus de ma gueule? Et bah voilà.
Allez. Ah. Allez, mais. Moi, je vais bien me prendre toutes les misères du monde. Très bien. Non, mais très bien, écoutez. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, on part, on active, on revient. C'est comme ça que ça marche. Hein, et... Donc, ma carte, voilà. Alors, on part, on active tout et on revient. Oui, il y a des empreintes. Il y en a là, il y en a là. Voilà, c'est activé. Tac, 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 tac. Tac, 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 cache-toi, bordel. Voilà. Hop, on les attend. On attend qu'ils viennent. Moi, je viens pas. Il y en a un qui vient. Sur le bout du bout, et paf! Et je me prends des dégâts qui n'ont vraiment aucun rapport. Et pourquoi ça n'a aucun rapport? Peut-être parce que le jeu est une salope. Je tiens à vous dire quand même que là, j'ai encore pas activé de triche. Mais que ça ne fait que 40 minutes que je suis là. Et que j'ai vraiment très envie. J'ai vraiment très envie parce que là, le jeu part très très mal. Le jeu est en train de très très mal se faire avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment, le jeu il va durer pas très longtemps. Et si le jeu dure pas longtemps, bah c'est dommage. Mais là, cette extension est horrible. Le jeu est horrible. À la limite, je vous laisse les combats et puis après, bah, imaginez que j'ai énormément de vie. Voilà, et là je vois plus rien. Bon bah allez, voilà. C'était la dernière fois que je laissais une chance au jeu d'être sympa. Et bah tant pis, hein. Tant pis, de toute façon c'est pas la première fois que j'utilise un cheat code. Voilà. Donc là on va avancer un petit peu dans le jeu, hein. Donc là vas-y, j'ai tous les malus du monde. Hein. Imaginez que là actuellement j'ai tous les malus du monde. Non pas que le jeu est ennuyant, c'est juste que il y a un moment il va falloir arrêter de se fiche de moi. Et que la difficulté, ben elle était quand même un peu ouf. Donc voilà, là je combat. Comme jamais. Regardez. Le fun est présent. Alors, imaginez que je me prends énormément de dégâts, imaginez que je suis Conan le barbare. Imaginez par contre que lui, il ne fout rien du tout. Voilà. Là par exemple, je vais me faire une petite attaque. J'aurais juste qu'il crève maintenant. Là je suis censé brûler mais bon. Voilà, vous comprenez le problème là. C'est que un joueur normal ne peut pas réussir ça sans tricher. Alors à moins d'être énormément stuffé comme un énorme connard, n'est-ce pas, bah vous ne pouvez tout simplement pas. Vous allez devoir essayer de refaire les autres chapitres pour farmer. Là vous avez vu la quantité de coups que je me prends quand même. Et les mecs sont toujours pas morts.
Donc moi je pense que le temps que tout cela se finisse, j'ai largement le temps de jouer à un autre jeu. C'est en partie pour ça que il y a 5 mois, enfin presque 5 mois, voire même plus, je sais pas exactement combien. Non mais regardez ça, comment c'est énormément de points de vie. Alors regardez, lui à peine blessé, il y en a une, elle est indemne, bon elle est indemne. Mais je me fais défoncer par tout le monde. Oui alors, tenez pas compte de ce que vous voyez actuellement en jaune. Mais je me fais défoncer ma gueule et ça se soigne. Et voilà, ça se re-soigne. Voilà. Paf. Moi je peux pas jouer dans ces conditions. C'est-à-dire un jeu où c'est dur comme ça, je peux rien faire. À la limite, la seule chose que je peux faire, c'est de changer la difficulté. Mais franchement, je suis même pas sûr que ça serait utile. Je suis même pas certain que ça changerait quelque chose, vu le nombre de dégâts que je me prends. Voilà, et puis ça soigne. Ça se soigne. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu fais rien, tu souffres. Voilà, je combats, je sais pas ce que je fais, je sais pas comment, qu'est-ce que ça joue. Bon. Ouais, laissez-moi passer, bande d'enflure. Voilà, il y a un mec, je peux pas le tuer. Voilà, toi, voilà, je te blesse un peu, sauf que dans 3 secondes. Ouais, puis alors le personnage. Bonjour, je m'appelle le personnage. Voilà, ça c'est fait. Allez, on y croit. Allez. Là maintenant, on va s'attaquer au vrai combat. Donc contre sa balle. Voilà. J'espère que vous appréciez le fun. Voilà. Maintenant, Dikin est mort. Parce que Dikin est nul. Et maintenant, on s'amuse. Voilà, allez, maintenant attaque. Je la touche pas. Je la touche zéro. Genre aucun putain de dégâts. Alors oui, je peux essayer des trucs incroyables, genre renversement, sauf que ça marche pas. Alors imaginez ça dans un vrai combat. Dikin, je sais pas ce qu'il fait. Alors personnage, voilà, il met 4 ans. Le personnage qui met 4 ans va attaquer. Bon. Ouah, j'ai mis 9 de dégâts, vous avez vu? Voilà, on va changer d'arme. Regardez, elle est à peine blessée. Waouh. Waouh, incroyable. Le fun. Wow, j'ai mis 7, vous avez vu? Wow, 13! Wow, ça y est! Elle prend les dégâts! Wow! Putain, mais vous vous rendez compte comment c'est des combats nuls! Wow! Y'a pas un connard qui est en train de me... Ouais. Elle attaque les deux, hein, elle a pas peur.
C'est moi et Dickin en même temps. Et Dickin se soigne que maintenant. Waouh, 13. Ah, The World, ça y est, il se passe un truc. Mais elle se barre. Meurs, misérable. Ah bah non. Ah bah si. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce moment de gameplay. Hein. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va... Mais je suis déjà en facile. Est-ce que... Bon, vous vous rendez compte là de ce qui se passe? C'est que je suis en facile... Et que le jeu me dit carrément, lol MDR, regarde, tout cela c'est faisable. Donc, moi ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais rester en God Mode jusqu'à la fin. Parce que sinon moi je suis pas sorti, et vous non plus, d'ailleurs ça fait une heure que j'y suis. C'est une des raisons aussi de pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt, c'est parce que... Bordel, c'est absolument chiant comme la pluie. Je vous le dis, hein, mais c'est, je vous assure que c'est chiant comme la pluie. Voilà. Bon, on va continuer, on va aller, tiens, on va par là en bas. Parce que le château, c'est l'endroit final. J'espère que vous comprenez maintenant. Donc, je vais faire tout ce jeu en God Mode. Je vais le finir en God Mode maintenant. Parce que je n'ai plus aucune sympathie pour ce jeu. Bonjour. Non, mais vous, vous êtes en rien. Alors, je vais remettre mes armes classiques. Ça ne vous dérange pas. Voilà, vous vous rendez compte que même sur des putains d'araignées, j'arrive pas. Ah, que ça va être marrant de la monter cette vidéo. Je sens le fun qui monte en moi. Attaque sournoise, je n'arrive pas à lui foutre du dégât. Ah bah si. Regardez, 51, ça vient de popper comme ça à l'instant. Je peux même pas en attaque. Je peux même pas finir celui-là. Nice. C'est une blague, j'espère. Par contre, et vas-y que j'attaque Dickin, ça y a zéro problème. Oh là là, mais ce chapitre coup avec le cul, quoi. Tout ce chapitre-là est infaisable. Non mais, s'il te plaît. Merci, pas trop tôt. Bon, donc, rentrez, sauvegarde. Allez, allons-y. Bonjour, messieurs, dames. J'aimerais... Bonjour. Waouh. Qu'est-ce que vous racontez, mon nom? Allez. Allez, paf. Je n'ai pas envie de te parler, je vais te tuer. Je vais te tuer, toi, c'est le sac. Échec du sort, mais je... Voilà, allez. Paf.
prends mes dégâts. Comme ça, on ira un peu plus vite. Mais tu ne bouge plus, j'arrive pas à la. Ah bah voilà. Je fais. Merci. Allez. Meurs. Saloperie. Donne-moi ton loot. Merci. Je prends. Parfait. Ah, Diken qui se prend énormément. J'utilise. Non. J'utilise. Parfait. Alors, voyons voir ce que tu as. Bah. Non mais, deux éclats. Bah alors, il est passé où mon troisième morceau d'éclat que j'avais. Ah bah, il s'est foutu ici, saloperie. Alors, bâton. Voyons voir. Un bâton, inutile. Ça, c'est inutile. Ça, c'est. Inutile. Et la cape. Pareil. Bon. Je peux pas y accéder, pas grave. Très bien. Et comme ça fait une heure actuellement. Pour vous, ça en fera sans doute moins parce que je vous enlever une grosse partie de ce qui est inutile. Mais pour moi, ça fait une heure. Je vais faire une petite coupe ici. Et je vous reprends dans 5 minutes le temps d'aller pour un coup. A tout de suite. Et donc, on y est de retour. Voilà. Allez, on va s'attaquer à la fin. C'est où que je dois aller? C'est par là. Alors, de ce que j'ai vu, il reste deux endroits. Deux endroits simples. À savoir la tour là, qui est assez petite, mais beaucoup d'ennemis. Et le château, juste là. Compliqué aussi. Mais après tout, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je pense que j'ai renommé l'épisode 200 du God Mode. Non, c'était pas le bon chemin. C'est même pas du tout le bon chemin. Voilà, c'est ici que je dois aller. C'est ici que je dois aller. Après, je tiens à m'excuser si certains me disent oui, t'es pas RP, tu meurs. Les sauvegardes, ok, j'accepte, mais là, t'es pas RP, tu triches et tout. Bah écoutez, je vous invite à vous procurer une copie de Shadows of Hundred Tide et de faire ça en facile et de me dire ce que vous en pensez. Hein. Parce que. Putain, Dikin. D'accord, Dikin, j'en ai marre. Bonjour monsieur. Bien le bonjour. Ah bonjour tout ça. Oui bonjour. Un ancien archimage, oh là là. D'accord. Oui. Oh oui. D'accord, la tour. Très bien. Eh bien, c'est parti. Méquette, le temple, il est fait. Le temps de magicien, c'est celle qu'on doit se taper dès maintenant. C'est parti, Billy. Oh oui, oh des trucs et des machins. C'est la guerre. C'est la guerre. Non, les drôles. Oh, je me suis pris à 59. Oh bah c'est bien plus facile là. Peut-être parce que les drôles c'est pas des connards. Oh regardez ce Balor. Regardez ce fin Balor qui ressemble énormément à Belial.
Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Eh bah alors. Bonjour. Tu as une grosse épée. Arme inefficace, hein. Ah mais je vais reprendre les dégâts. Ah ça veut dire que le God Mode est annulé. Ou alors ouais, quelque part on est revenu sur un jeu simple. Enfin, un jeu legit. Bon. Excusez-moi. Merci de mourir. Monsieur. Monsieur. Monsieur mourir. Putain mais ils vont me retuer, Dikin. Tu touches pas mon Dikin. Tu touches pas mon Dikin, il va mourir. Voilà. Ah voilà. Bon et puis elle, elle s'en fout. Regardez comme c'est amusant, je m'amuse. Des combats qui durent 50 ans. Bon. Parce que c'est le fun. Moi je m'amuse, écoutez. C'est vraiment l'amusement. Voilà. Alors là c'est simple, on va les laisser se tuer entre eux. Pendant que mon ordi rame du cul. Moi je les laisse se défoncer. Je crois même que je vais juste aller chercher à monter. Ouais. Ouais, non mais faites comme si je suis pas là, moi j'existe pas, écoutez. Nikin, je pense que je vais essayer de m'en débarrasser un moment parce qu'il est inutile. Oui, oui, oui. Inutile. Bon bah on est go Nikin, moi je me casse. Moi je m'en vais Nikin. C'est aussi simple que ça. Étage numéro 2, allez. Oh oui j'aime ça. Oh un proc. Proc. Ennemi facile. Pause. Alors est-ce que je tente le Balor? Est-ce que je tente le Finn Balor? Oui, j'aime beaucoup cette blague. Ouais, alors... je tiens à dire que sur la solution que j'utilise, qui est une solution jeuxvideo.com, c'est marqué, le Balor est indiqué comme facile parce que très peu de points de vie. Je suis... malade, je suis malade. Donc je pense que je vais devoir utiliser un truc très vite. Voilà. Ah mais il y en avait combien? Il y en a plein. Et Dikin qui va enfin attaquer. Putain c'est pas trop tôt. Je continue à dire que c'est juste le chapitre 2 qui est mal foutu en fait. Et je vais le répéter. Voilà, il disait que sur le démon, il y avait un drop intéressant.
Où est la dépouille du démon que je ne sais pas. Bon, actuellement, je suis juste malade comme un connard. Donc, on va l'utiliser sur moi-même. Parfait. J'ai réussi mon test de premier swing. J'ai un plus 2, mais qui apporte. Écoutez. Là, il y a une succube. Bonjour, madame. Le fun. Ah mais je perds des dégâts, ça veut dire que j'ai plus accès au TGF, bah je vais pouvoir l'enlever. Ah vu qu'on arrête pas de me dire sac à merde, tu sais pas jouer. Là actuellement c'est ce que certaines personnes sont en train de se dire. C'est à quoi je leur réponds exactement. Oh oui. Oh oui, un seigneur balleur. Un seigneur fin balleur. Toi aussi fais des références au catch quand tu veux. Non mais oui incubation. Allez, allez, mais tue-les. Je me fais totalement défoncer. Je me fais défoncer parce que je sais pas où je suis et que ce jeu est en train de me... Je suis censé être en God Mode. Je suis censé être en God Mode. Bon, et ben, on va speeder. Non ? On va speeder, écoutez. C'est pas que je perds l'envie de jouer, mais Je sais pas, escalier vers le bas, escalier vers le... Putain, il y a deux escaliers vers le bas, il est où l'escalier vers le haut? Putain, il est où l'escalier vers le haut? Elle est où l'arnaque? Ah, je sais où elle est l'arnaque. Bon alors par contre, les attaques, merci, bonjour. Mais bonjour, je fouille le bro, je prends ça, 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 ça et ça. Allez. Parfait. Il y a un reste avec une petite potion. D'accord, donc explosion, très bien. Donc ok, donc je vais courir. Moi je cours, hein, écoutez, c'est quoi ça? Bibliothèque. Rien à faire. Allez. Bonjour messieurs, bonjour, 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 ouais, bonjour, bonjour. Non, écoutez, je m'en bats les couilles de vous, je m'en fous. Laisse-moi passer, joue. Putain, mais personnage de merde là qui ne m'écoute pas. Le personnage qui n'écoute pas ce que je dis. Voilà, ouvre la porte. Voilà, allez, salut les minables. Parfait, niveau 3. Je joue extrêmement bien. Je tiens à le dire. Ah, des slades. Putain, on est quand même sur un niveau de difficulté là qui est affolant. Oh, c'est affolant ce qui se passe. Yes, hein. Et je me la bouffe. Et je me la bouffe deux fois. J'espère que vous appréciez. Moi en tout cas je m'amuse comme un fou là. Là je fais une montagne du fun. La montagne du fun, hein, écoutez. Que le sol vous engloutisse. Bon, eh bah d'accord, eh bah très bien, eh bah moi aussi. On va repasser sur le God Mode, parce que je crois que ça s'est barré.
Allez. Voilà. Voilà, là il y a du fun. Là il y a le God Mode. Bon gros fun. Bon, j'espère que vous aimez Dikin, tout ça. Sur Dikin, je pense que... Il y a un moment, je vais arrêter. Appréciez quand même le nombre d'ennemis qu'il y a dans cette salle. Ce qui met à Dikin. Oui, fin tragique, Dikin. Je sais que c'est tragique, mais... Ce jeu aussi est tragique. Il est tragiquement dur, alors que je suis en facile. Oh là là. Et c'est dans des moments comme ça que on se dit la face cachée d'un jeu. J'aurais pu finir sur le jeu principal. J'aurais pu finir sur la première extension, mais non. Il faut tout faire. Et là, je sais pas. Bon là, par contre, je sais pas ce qui se passe, mais vas-y, que je touche à rien du tout. Vas-y, que je ne touche personne. Un gros moment de gameplay vidéoludique. Un grand moment. Voilà, ça par contre je peux pas les toucher. Pourquoi je peux pas les toucher? Parce que le jeu est une saloperie. Voilà. Ils sont censés être hébétés et ne pas bouger, mais pourtant ils esquivent. Voilà, et là c'est parti. Là vous voyez, je le touche. Enfin, je ne le touche pas. Par contre lui me touche, hein. Imaginez ensuite avec des dégâts réels. Et regardez ce moment de gameplay incroyable. Le fun est présent. Alors par contre, pour attaquer, il met 4 ans. Oh mon dieu, je lui ai fait à peine 10 de dégâts. Voilà. Génial. Gros jeu, gros gameplay. On aime ça. On aime, moi j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Et je continue à gagner de l'XP, mais je pense que même en gagnant de l'XP, ça va pas changer le fait que, bah... C'est compliqué, quoi. C'est vraiment très très compliqué. C'est... On peut pas faire ça d'une traite. Je me vois mal quelqu'un faire ça d'une seule traite. Je suis désolé, ça se trouve, je dis du mal du jeu. Et les développeurs maintenant disent, je sais pas comment le jeu a été noté, si quelqu'un l'a fini legit. Mais non, mais ce passage-là, ce chapitre-là, c'est pas possible. Putain, je suis en facile, les mecs. Comment ça, réussite impossible? Bon bah réussite impossible, et ben tant pis. Tant pis. Allez. Là y'a quoi? Je sais pas ce qu'il y a. Il y a des slades. Oh, un établi d'alchimiste. Allez, on chope tout, on chope des potions.
Toi, je sais même pas d'où t'es sorti. Voilà, on a chopé des trucs, un coffre, et bon, on chope le coffre. Des trucs, des sorts, des machins, des bidules, des medikits et tout ça. Ça, c'est des langues de slade. Je sais pas quoi ça c'est. Enfin, si c'est pour des ingrédients, voilà. Je marche sur le piège. Merci beaucoup, au revoir. Dickinsack, 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 Dickinsack. Là, c'est la salle du boss. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est fait. Parfait, on entre et on casse tout. Un poteau avec un coffre, parfait. Bah génial, moi j'aime beaucoup. Oh, plein de coffres même. Alors, je prends tout, même si je suis riche ou pas. Hein. Ah, les potions de restauration, ça c'est parfait. Une paire de gants. Qui est... Bien, 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 tout ça. Potion, sort, sort, caillou. Des bottes de réflexe plus 6. Je sais pas ce que c'est. Je prends. Ça, c'est un truc d'énergie négative. Exact. Je prends. Et le dernier coffre qui est là, c'est de l'argent, du truc, du machin et potion de guérison. Je remonte en potion de guérison au total où j'étais au début de la session. Voilà. Bonjour, je voudrais casser des... Tu es quoi? Tu es qui? Tu es l'apprenti? Excuse-moi. Excuse-moi, je voudrais juste le caillou. Enfin, le... Oh, c'est bon, tu fais des jolies lumières. Est-ce que tu peux me donner ton morceau? Ton morceau, s'il te plaît. Non. Ton morceau, s'il te plaît. Merci. Bonjour. Je ne peux pas te parler, c'est quoi ça? Je prends, je te vole de toute façon. Alors, démonerie, alors, je regrette, alors, ne vous en faites pas, je ne tue jamais ceux qui se rendent. Alors, je voudrais juste l'éclat de miroir, parfait. Vous êtes en train de qui êtes-vous? Comment vous êtes pour procurer ce morceau de miroir? Oui. Ouais. Allez, je m'en vais. Voilà. On a donc 4 éclats de miroir sur 5, si j'ai bien compté. Alors là, il doit rester une salle que je ne vais pas voir. Je vérifie juste quelque chose. Alors. J'en fais quand même ma soluce, hein, évidemment. Voilà. Et maintenant, nous allons... Nous allons nous amuser avec le fun. Donc là, j'ai 4 morceaux de miroir, 4 éclats de miroir. Normalement, j'ai tous les morceaux de miroir. J'ai celui du marchand, j'ai celui de Shoria, j'ai celui de lui, j'ai celui de l'hôtel. Et ouais, mais non, mais vous, je vous... Moi je me casse, hein, vous me faites pitié. Non mais Dicky, non, survie 30 secondes. Ne sois pas un faible, Dicky. Hurrah, exactement. Votre côté. Normalement j'en ai besoin que de 4, à moins que j'en ai oublié un, ce qui serait problématique. N'est-ce pas? Ils sont toujours en train de se battre. Bah parfait. Ah bah parfait. Salut. Non mais finalement je t'aime pas. Allez. Cassos. Voilà. Ah bah parfait, d'accord. Allez. Ah bah parfait, lui il m'aide. Non, il se barre, sec. Bah non, merci proto. Voilà, donc la carte s'il vous plaît. Maintenant on va faire le château, lol. Est-ce que c'est pas MDR?
j'espère que vous êtes prêts pour la montagne du fun numéro 3. Non mais sérieusement. Non mais sérieux. Ah, une morte, parfait. Excuse-moi, j'étais en train de boire un café. Oh, Deacon qui se prend le max. Pendant que je galère. Excuse-moi, crève. Non mais excuse-moi, s'il te plaît, crève. Parfait. On dit qu'il on va se... Non, on va pas se reposer, on va y aller direct, allez. Allez, Deacon. Allez, on y croit. Yeah. Ouais, allez, oui. Tout va bien. Ouais. Ah, oui. Allez, on y va. En cœur. Parfait, tout à l'envers aussi. Oui, alors... Il fait dégueulasse, il fait noir, il y a toile d'araignée, vous ne savez pas, il y a des araignées, mais c'est génial. Ouais, et ouais, mon curseur. Le curseur, rendez-moi mon curseur, s'il vous plaît. Miam, miam, miam. Encore une fois, un moment de gameplay, vidéo ludique, de qualité. Je conseille toujours d'imaginer que je n'ai pas le god mode et que je me fais rétamer ma gueule. Et aussi considérer que je suis toujours en facile. Ouais, je ne l'ai toujours pas battu là. Je ne l'ai toujours pas battu. J'ai toujours pas battu, ça m'énerve. Évidemment, il y en a une qui traverse la porte, il y en a deux qui traversent la porte, il y en a 14 qui traversent la porte, oui. Il y en a 3 qui traversent la porte. Allez, vas-y, tout le monde, tout le monde. Vas-y. Tout va bien. J'espère que vous vous amusez à regarder ça. Faudrait que je change d'arme pour le Deacon. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Yeah, 16 de dégâts, oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de différence comme caractéristique entre lui et moi.
Mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Moi, j'aime vraiment qu'on m'explique la différence de caractéristiques. Vraiment. Expliquez-moi, s'il y a des gens qui ont déjà fait le jeu, vas-y, dites-moi que je suis mauvais. Attends, vous pouvez dire que je suis mauvais, je ne vous croirai pas. Je ne vous croirai pas, sachez-le. Parce que voilà. Surtout que là, la montagne du fun n'est pas finie. Ça n'est pas fini, la montagne du fun. Ah, ça, oui, je sens qu'il en reste. Voilà, déjà, il reste de ça. Il reste ça. Wow, 49. Ah bah le chef, d'accord. Évidemment qu'il fallait que je le tue. Parce que c'est lui. C'est lui qui a tout. Les sorts. Hop, il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a encore là-bas. La joie. J'ai pas remis d'armes sur les pines. Ouais bah j'ai oublié. Parce que c'est la montagne du fun. Ah bah tiens. Ah bah il y en a deux même. Allez deux pour... Oh il y en a trois, parfait. Mais c'est bien. Oui, mélangez-vous. Faites des bébés. Allez-y, je vois plus rien là. Ah, je crois que j'en ai tué une. Tout le monde sort. Ouais, c'est parfait. Là, tout le monde sort. Je sais pas où tout le monde est. Je sais pas où je suis. Ah, je crois qu'on allait tuer une autre. Non. Ah, lui va mourir. Enfin, s'il meurt. Voilà. Allez, il reste que le magicien. Parfait, bon, on a tué beaucoup trop de personnes. De toute façon, le massacre va continuer, je pense. Ça lâche des cailloux. Et ça lâche des as. Des as, c'est nul. Ouais. Ouais, tiens, tu sais quoi? Pour Dekin, ça. Dekin, on va modifier ton équipement. Non, modifier ton équipement. Ah voilà, revoir ton équipement. On va te mettre une arme. Poignard d'ague. Oh, il peut... Je peux rien te mettre en fait, toi. Même pas ça. Non, même pas ça. Voilà, tiens, prends cette cape. Oh mince alors. Putain, j'ai pas une arme cool pour toi. Bah non, j'ai pas d'arme pour lui, à part un petit poignard nul.
Parce que Dickin, tu crains. Oui, sache-le, tu crains. Tu me déçois, Dickin. Bon, il y en a encore, je pense. Oui, tiens, bah, il y en a là. Voilà. Dickin qui va sans doute être meilleur au tac que la distance. Pendant que ça esquive mes deux coups critiques. Alors que je bourre les attaques sournoises. Incompréhensible. La logique? Je ne sais pas. Ah bah voilà. Et une. Et il y en a encore 4-5. Non mais je ne m'explique pas pourquoi j'ai du mal. Si jamais vous connaissez un développeur, demandez-lui. Peut-être qu'il va me dire que je joue mal. Allez. Ah, il y en a encore là. Il y en a encore derrière, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a encore derrière. Allez. Allez. Eh ben non. Et voilà. Allez. Oh, il y en a encore deux de plus. Oh, je suis sûr qu'il y en a encore là-bas. Non mais regardez ça, c'est beau. Ah, quel épisode 200 incroyable. Ah vraiment, si tu mets pas un pouce bleu pour dire que cet épisode il est ultra cool, ah mais je ne sais pas ce qu'il faut. Allez. Je sais pas combien il en reste. Mais après, on espère que le montagne du fun va s'arrêter. Yay. Allez, et il en reste deux, une seule. Ouh. Ouais, sur l'os 54, et après, est-ce qu'on va attendre 3 ans? Non, on va pas attendre 3 ans. Waouh. Et ben c'était long. C'était très long, et non, mais tu sais quoi, on va pas fouiller, Dick. Goûtez à ma colère. Mais évidemment, il en restait une seule. Il en restait une seule. Il fallait qu'il reste une. Oui, d'accord. Ok. Très très bien. Saloperie. Hein, tu l'as compris ça, saloperie? Je suis pas sûr. C'est quoi là? Salle du trône? Non, bah il est directement, tu sais quoi. Allez. Ah, et voilà, et là ça va aller. Là-bas. Réduction des dégâts. Et merde. Non mais défoncez là. Mais je fais des attaques sournoises, des attaques d'opportunité, ça esquive. Ah, moi je dis, va sauter là-bas. Oh, j'ai tellement raison. Mais tu l'as! Et là par contre c'est indemne. Là évidemment c'est non il s'en est passé, TKT, elle est indemne. L'ennemi. Bah tu sais quoi l'ennemi?
Oh, shot l'ennemi. Allez, ça dégage. Voilà. Pff, oh là là, mec. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais plus. Et c'est... C'est pas cool. Allez. On va tout droit. De toute façon, on va tout droit. Ça sent là. Est-ce que c'est important? Pourquoi je... Allez. Allez. On y croit. Oui. Toile d'araignée. J'en ai... Il y en avait deux. Il y en a deux. Non, c'est bon. Allez. On y va. Allez, on y va. On défonce tout. Bonjour. 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 Je savais que vous arriveriez sous peu. Entre Sabal et vous, nous avons fini par rassembler les 5 morceaux qui manquaient dans le miroir. Cette terrible malédiction sera bientôt levée. Ouais, d'ailleurs, tu m'expliques, toi. Mais je vois que cela vous trouble. Si vous le désirez, je peux tout vous expliquer. Je vais bien. Pourquoi l'expliquer? Quoi que ce soit, laissez-moi le tuer. Bah, toi, déjà, je vais te... Non. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon nom est Elicide. Je te retrouve à Sarre l'état d'esprit pour avoir fonction de l'éventuel avoir rien de fait horrible. Mais voilà, omniscient. Le miroir qui meurt du temps nous offre un miroir magique. Position du grain. J'aurais fait de vieilles lumières pour protéger ce royaume. On verra ce que personne ne puisse. Mais elle n'était pas conscient du danger qu'elle était représentée. Mais voir, c'est pas un peu insinué dans l'esprit de Chiori, ça fait partie de l'élection qui l'accompagne à force et a fini par respecter tout le monde, y compris l'archimage Alastair. Ah ah, mais ce dernier a senti, il a violemment contre-attaqué. Oui, il a entendu pour parler de lumière contre nous, notre vie, son château, son temple, celui-là, tout ça a été arraché la montagne, nous sommes passés à travers du miroir pour le retrouver ici, ok. Tous ceux qui sont passés à travers du miroir sont devenus l'inverse de qu'ils sont autrefois. La reine a abandonné son trône et bouffonne est devenue omniscient, quand le miroir elle s'est brisé, nous prenait. Qu'est-ce que vous dites, je me rends réparé. Nos tours deviendront mal, nous serons tous trop transportés de la cime perdue. Je pourrais retrouver un sac. Je vais quand même avoir position, mais il est impossible de quitter cette table pour aller chercher les morceaux. Auparavant, il m'était interdit de me trouver ici. Là. Alors, il faut que quelqu'un apporte les sacs. Pourquoi ne pas me donner les cartes? Tout simplement, je ne suis pas idiot plus maintenant. Là, les mères, j'ai un morceau de miroir. J'ai un morceau de miroir. Seul, il n'y a aucune utilité. Hein, vous savez de qui je veux parler, non? Et moi, les autres, si vous récupérez certains morceaux et les autres, nous déclenchons un miroir qui, une fois restitué, compte tenu du message actuel, je devrais pouvoir trouver une solution. Alors, évidemment, puisque vous cherchez tous les deux la même chose, il faut bien que j'en tire profit. Je serais un véritable bouffon si je ne faisais pas le LNDR, ça ne me dérange pas. Alors, tout ça va partir avec. Il est hors de question. Puis-je trouver les morceaux et liens? Un total de 5 morceaux à la même élection, puis-je les repérer à plus de questions? Ok, il y en a sans doute. Alors. La reine, normalement, elle me l'a donné. Le marchand, il me l'a donné. La tour du magicien, je l'ai. Bibliothèque, je l'ai. Le temple, normalement, je l'ai aussi. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il vous expliquera. Normalement, j'ai les. J'ai... Putain, lequel il me manque? Alors, marchand qui a... Bah... Oui, hein. Elle vous a coincé l'extrait. Elle a dit qu'elle avait donné à une drone nommée Sabal. Bah 2, 3, 4, 5. Mais j'ai les 5, enfin... Bah non, faut que je tue Sabal. Vous attendez, il y a un souci dans le deck du bouffon, une ligne manquante, si je vous surprends que vous faites oui, si Sabal possède l'un des morceaux et vous les autres. Ouais, il va falloir combattre, et oui, il faut que je tue Sabal. Allez, bouffon. Entre Sabal et vous, nous... Alors, nous allons régler ça. Ah bah voilà.
Et bah voilà, allez. Allez, oui, vas-y. Ah, excusez-moi, ça c'est un portable qui sonne. C'est pas cool. Non, ça allez, oui. Celui qui a le plus de morceaux, lui, au revoir, son adversaire contre. Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, vas-y. Je vais casser les culs. De toute façon, j'ai le gun mode et. Là va déchaîner la magie du pilier. Ok, bah je vais activer les autres si tu veux. Moi je vais activer les autres. Excuse-moi, merci. Alors. Utiliser. Voilà, excusez-moi. Utiliser. Utiliser. Non. Voilà, j'aimerais utiliser autant que possible. Alors. Utiliser. Non, ça marche comment? Ça marche comment, madame? Ah, bah voilà. Non, je sais pas comment ça marche. Bon. On m'explique pas comment ça marche. Donc, du coup... Allez, combat de fun. Je ne sais même pas si j'utilise un bout de miroir, oui. Allez. Je ne sais même pas comment marchent ces conneries de piliers. Bon bah moi je m'amuse toujours autant. Ah je m'amuse bien là. Non mais je m'amuse hein, vraiment. Que faut que j'utilise des trucs qu'on peut utiliser, genre la pierre de gardien. Non, je sais pas. Mais utilise, putain. D'accord. D'accord, bon, très bien. Bon, toi tu m'énerves. Là-bas. Vous avez vu comment c'est amusant? Vous voyez le fun que j'ai là? Je sais pas quoi faire. Voilà, je... Oui. Oui, bah alors, d'accord, bah très bien, tes piliers, c'est de la merde, hein, le jeu. Bon. Alors. Oh, mais continuez à me battre. Hein. Moi, je suis là, je suis... Moi, je suis juste blasé, quoi. Hello mon arme. Hello mon arme cool. J'ai une arme cool. Bon si je force ça, hein. Voilà, ça sert à rien.
Ah! Ah, il se passe un truc! Inutile. Oh, mais salut! Ouais, bon. À quoi ça sert que je fasse ça? Ça ne sert à rien. Donc là, là c'est la montagne du fun, hein. Je tiens à le dire. Ça, ça sert à rien. Là, j'ai des fragments qui me... J'ai des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Là, je tiens à dire que, ouais, on s'amuse. Je pourrais laisser tourner ça une nuit que ça bougerait pas. J'espère que vous appréciez. Mais moi je sais pas quoi faire là. C'est ça le pire. Si je charge, est-ce que il se passe un truc? Non. Ah! Oh! Bah tiens! Bah bravo! Bravo le jeu! Bien joué! Déçu! Décevant ce jeu! Bon, et ben. Et ben voilà! J'ai réussi à faire crasher les mémoires internet! Génial! Le stupide se sépare souvent de sa chair! C'est bien de trouver des petits trucs. Maintenant, je sais comment faire le one hit glitch. Bon, alors. Bon, on va faire pareil, hein, on m'en voudrait pas. Ah, ça va. Ah oui. Non, non, ah, ça va, c'est pas possible. Ah bah oui. Excuse-moi, ça va. Voilà, ne bouge pas. Voilà. On l'a tué, ça va. Trop trop bien. J'espère que vous avez apprécié ce jeu. Enfin, cette vidéo. Sous le signe du jeu de merde. Alors. À moi. Je récupère tout. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce bon jeu. Ouais, Deakin qui est sans louer, qui est mort là-bas. On va aller le ressusciter pour la troisième fois. Voilà, Deakin, il est vivant. Donc maintenant quand même, hein. Parce que je suis pas un monstre. N'est-ce pas? On va se remettre en jeu normal. Voilà. Hein? Ah oui, ça va, par contre. Vous voyez, c'est toujours des strats un petit peu bizarres pour sortir du debug mode. Voilà, donc là, très très bonne session, hein, je tiens à le dire. Gros jeu. J'espère qu'une fois son trône récupéré, Shaori laissera ses taches de sang pour rappeler à son peuple la folie qu'est la guerre. Oui. Alors. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Billy. Je vous souhaite la bienvenue.
Bonjour madame, comment allez-vous? Je dois vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous avez réparé le miroir et levé le sort qui nous retenait ici. La ville a repris sa place dans les montagnes. 5000 d'XP, parfait. Et en plus, level up. Ça va rien changer le level up, je tiens à le dire, mais bon, c'est toujours ça. Alors. Mais je tenais de savoir. Alors, on va attaquer la reine? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah, je m'en vais alors, parfait. Allez, ça c'est fait. Donc du coup, on va se faire le level up. Excuse-moi, level up. Allez, voilà. Ah, là, 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 là. J'espère que ce... Oh là là, c'était fou. Quel... Non, on va arrêter de bourrer ça. On va mettre ça dans autre chose. Acrobatie. Un peu de bluff. Concentration inutile. La discrétion, un petit point. La détection, très très importante, une petite estimation et bien sûr fabrication de pièges. Je ne sais pas quoi ça me sert vraiment beaucoup. Fouille, ça va, j'ai un bon niveau. Perception auditive, par contre, ça c'est cool. Donc on va se mettre un petit point et puis voilà. Et j'ai gagné une attaque sur l'oise de plus 12 D6, ce qui est cool, et des trucs et des machins. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est? Et que dit Kin? Dikin, ouais, exactement. Bien, et ben parfait, donc sauvegarde. Et on va dire que c'était une bonne session, un bel épisode de 100. Bon, je touche ma save, mais rien à faire. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode, l'épisode de 100 vous aura quand même non seulement plu, mais aussi vous aura montré ce qui se passe la plupart du temps lorsque je joue à Néon Internet, et que... beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu, c'est-à-dire énormément de combats chiants, énormément de reroll, énormément de save et reload, mais surtout que ce chapitre 2 va être extrêmement compliqué, extrêmement dur, et que je rappelle, c'est une des raisons pour lesquelles cet épisode a mis énormément de temps à sortir. Mais on va finir ce jeu avec ou sans triche. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire sur ma façon de jouer, mais je vous invite vraiment à l'essayer. Le jeu complet est à 15€ sur GOG. Vous pouvez l'acheter, dites-moi que j'ai tort, prouvez-moi que j'ai tort, que je joue comme une bite. Mais sachez que ce jeu sera fini un jour ou l'autre. Donc, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, si tu veux tu peux t'abonner si tu veux pas rater la suite du jeu. Incroyable, je suis sûr que le chapitre 3 sera beaucoup mieux équilibré. Mais pour l'instant, on est à peine à la moitié du chapitre 2. Il n'y est même pas encore d'ailleurs. Commentaire, il y a un Discord, tu peux t'abonner à la chaîne. Je suis actif sur Twitter et tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights.